Yahoo Di Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo spéciale achat Vinted. J'ai commandé donc sur un seul compte une intégralité, un manga des éditions Pika si je dis pas de conneries, et juste à savoir que j'ai déjà commandé sur le compte de cette personne qui revend donc de temps en temps des mangas, et je te le recommande à 100% ce compte parce que la personne à chaque fois c'est des mangas en qualité neuf. Les envois sont très propres, très soignés. J'ai jamais eu rien à redire. J'ai dû passer au moins 4-5 commandes. Voilà. Notamment, ici, on a l'intégralité de The Quintessential Quintuple. Voilà. Et après, j'avais racheté aussi, cette même fois-là, l'intégrale aussi des éditions Kazé. Qui est. Attends, je vérifie. Oui, c'est Kazé, c'est Let's Get Married. Je ne sais pas si on les voit, ils sont rouges là. Je te mettrai le lien de la précédente vidéo en barre d'infos parce que celle-là je la retrouverai facilement, les autres je te laisserai chercher. Juste je te montre la taille du colis, il est plus grand que mon avenir. Voilà, il est plus grand que mon avenir ce colis. Bref, toujours est-il, on va ouvrir ça ensemble et on va découvrir du coup tout. Je vais te montrer aussi que le colis est vraiment bien envoyé, que c'est bien protégé, comme ça au moins toi-même en tant que client t'es rassuré. Mais après, honnêtement, si j'avais quelque chose à redire, je le dirais parce que très clairement, je suis une personne qui a de la gueule. Et il y a déjà une fois où j'ai eu un problème comme ça avec un vendeur et tout ça. Je vous avais même pas mis le nom du vendeur parce que je vous avais dit au niveau des prix, c'était abusé et que le gars, en fait, se foutait clairement de la gueule des gens. Parce que je lui avais dit au niveau du prix, tout ça, qu'il y avait un peu arnaque et il jouait vraiment la mauvaise foi et tout ça, mais je voulais tellement le manga que... Attends, on va juste te décaler, c'est pas grave si tu vois du bordel. Oui, il y a du bordel là-bas, il y a mon collier, il y a la palette de maquillage de la vidéo que j'ai filmée l'autre jour et tout ça. Je suis désolée. Bref, donc voilà, si j'ai quelque chose à dire, j'ai une gueule, je sais l'ouvrir et je dis ce que j'ai à dire. Mais cette personne-là, crois-moi, je lui fais totalement confiance. Voilà. Et crois-moi, même si je veux une série... Si la personne n'est pas de qualité ou quoi, je regardais juste au niveau du bordel. Bon, ça va. On s'en fout. Merde. Ça fait un mois que je dois ranger ma mangathèque, mais je voulais la filmer et tout ça, donc je vais attendre un petit peu d'avoir de l'avance. Je galère. Ouais, voilà. Donc, si je veux une série, j'achète et je fais un achat à une personne, mais je fais jamais... Attends, je vais essayer de te recadrer un peu. Mais j'achète jamais deux fois, tu vois, la même personne. Surtout si la personne se fout de la gueule des gens ou des trucs comme ça, c'est mort. Voilà. Alors, j'essaie juste de regarder de quel côté il y a mon nom de famille. Voilà. On va juste enlever le petit papier. C'est à l'intérieur où il y a aussi l'adresse. Ça, ça va dans la poche arrière. Hop. Et... Voilà, est-ce que ça c'est pas bien protégé? Moi je dis que si. Bon, après par contre j'ai de quoi faire au niveau des pubs. Elles sont encore d'actualité, je ne pense pas. Du lundi 20 juin 2022, ça aurait pu être bon. Hop. J'allais dire après il y a la femme de ménage qui fait le ménage, mais non, c'est moi qui vais devoir tout ramasser. Est-ce que j'aurais été intelligent et j'aurais pris une poubelle? Non, bien sûr que non. Sinon c'est pas drôle. C'est un peu aussi chiant que les confettis. J'essaie de meubler le temps que j'enlève tout. M'excuser. Ah ouais, c'était vraiment bien calé parce qu'il y en avait vraiment partout. Je sais pas, je connais. C'est quoi ? J'ai l'impression que ça a été découpé, genre pour montrer un truc. Non, bon, d'accord. Je pensais que c'était peut-être limite un message subliminal ou quoi. Non, il y a vraiment absolument toutes les. Des types de pubs. J'ai du paru vendu. Oh bordel. Ça pique. Bref. Donc. Voilà. Il y en avait vraiment partout. Et c'est l'intégralité de La Princesse et la Bête. Hop. Ah oui, d'accord, c'était mis comme ça. Ok. Ok. Hop. On va. Alors. La série, elle est, si je dis pas de bêtises, en 12, 13 tomes, un truc comme ça. Donc, je vais d'abord te montrer les 7 premiers tomes que j'ai. Et regarde-moi ça, ils sont comme neufs. Je sais pas si tu vois bien, mais ils sont comme neufs. De toute façon, ils ont été achetés l'une fois, revendus. Voilà.
Donc ça, c'est un manga halloweenesque que je veux lire depuis pas mal de temps parce que j'avais lu le premier tome à sa sortie. Et tout simplement, il s'est terminé il y a peu en fait. À chaque fois, même par exemple pour The Quintuple, la personne me prévient à l'avance, Ibi, je vais mettre ça à vendre parce qu'à force, voilà. Et je lui réserve avant même que la personne ait fini parce qu'elle n'a pas forcément acheté le dernier tome et tout. Et voilà. Top. Voilà. Hop. Et on continue avec. Ah non, ça doit être plus 15 tomes parce que là quand je vois. Ouais, 8, 14. Ok. Il y a 15 tomes, voilà. Je suis con. Bon alors, je suis con. 8, Totoro, 12, 15, ok. Ah, c'est compliqué. Surtout quand t'es debout et pas assis comme avant. Donc le tome 8. On va faire comme ça, hop. Le tome 9. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le carton qui était sur le fauteuil à côté de moi et je vais mettre du coup dedans, posé dessus, comme je fais d'habitude. Voilà, 11, tome 12, tome 13, tome 14 et tome 15, voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo achat, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu, si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente, on partage, on n'hésite pas à s'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Tête de Brandon pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, dans la barre d'infos tu as le lien vers tous mes autres réseaux sociaux, des codes promo pour pas mal de sites et donc le compte et donc aussi le compte Vinted de cette personne à qui j'ai acheté les mangas. Sur ce, à bientôt.